Salam alaikum mbokk yi xaridi ñu ngi am mbékté ak contenté di ñëwaat fi seen émission Dekandar bi nga xamanteni Ndar Info ñu am di leen ko présenter tous les 15 jours. Tay nak buñu dañuy am di dalal suñu ben tata bi nga xamanteni doot ñuko présenter le monde entier doot ñuko présenter fi ci Ndar muy tata Marie Madeleine Diallo. Ma ngi nuyu ak suñu xaridi nga xamni ñoo baxoo di suivre Ndar Info. Une structure bo xamné dans le monde entier ñu motax ba ñuy xam li xew ci ndar té lolu dafa nek luñu itté luñu soxal ndax ñun ci ndar rek lañuy yëngu Marie Madeleine Diallo dans toute sa simplicité rek moy doomu ndar bo xamné bu yéwo ndar lay yéwo bu nelaw mom lay respirer bu yéwo mom lay respirer mom lay fanano ndax défé na ni nit bu bokké ci dëkk juddo fa sa lay juddo fa sa bay juddo fa nga fekk fa ba même bi nga yëngu rek nga mën woné sa mënine wala nga ci jangat ba ag ci fo xamni xeyna da ngay nek incontournable man de lool la def nga xamni man communicatrice la di liggéey radio ndar depuis bama amé ay 18 ans Idrissa Seydou Diadi di daw def ak mom ay émission ba 1975 dafa fa ñu jël ma comme animatrice ndax li ñu gis ni xeyna amna ci tuti xarañté après may def théâtre bama nekké xalel bama amé 9 ans ba légui diko def sur les planches à l'école Saint Joseph de Cluny ba mujj makoy def sama ASS la Saint-Louisienne bo moy sen bima nekké radio en 1983 radio ndar dafa mos am troubam nga fa nekkon daan ma jël de temps en temps ma len di jouer ben rôle après ñu tam ñu daan ni puisque ñoñu gañu nañu pourquoi duñu dékkal troubu radio ndar bi ci lañu joggé dans théâtre à la radio tous les jours à partir de 21h le samedi diko enregistrer ñu ñëw leen comme daara ko ci comme jamono tay ñu commencer di leen produire c'est lañu xamé ci baara yego d'accord parlant ci culture bobu nak nga gisé tata situation culturelle Saint-Louis ak acteurs culturels culture yi lu ñuy dund fi waaw lolo tax man la ku nek ci li ngay yëngatu da nga war woné sa xarañte remplir am sa off am sa in volonté la bo am parce que opératrice culturelle là dañ nan promoteur mais opératrice culturelle là mais depuis 16 ans benn événement bi nga bëgg mu djeb bi sax ya nga am du mal bi ngeen signé ko ay accord parce que man dama waron jël sama bâton de pèlerin dem séti les villes jumelles dem Liège dem Lille dem séti coopération bi nga xamni mo am ci Rhône Alpes ñu ma ñun bu doon sen dirigeant yi yag na dañ limalay wax bu doon sen dirigeant yi ci bu ñu ñëwé di wut pour ñu jappalé len ci waru ci walu éducation bu ñëwé pour jappalé len ci walu santé bu ñëwé ñu jappalé len ci walu agriculture wala lenen bolé won nañ ci culture rek mais ñun dañuy joxé ay xaaliss pour lolu mais ñom bu ñëwé lolu du sen été mais heureusement deux dernières années yi avec le maire Cheikh Bamba Dieye doron na di entreprendre lolu ba di jema duggal ay produits culturels mais lima len dan méré dumay wax sama dëgg dañuy dem introduire lolu wut ay financement ba paré wala ko jox ko producteur opérateur culturel yi ak ñi nga xamni ñoy promoteur yi ñu wolen ni len am nañu li defar len li defar la li dañ koy jël diko jëm organiser ñom alors que man je trouve que lolu du sen liggéey lolu du sen liggéey donc am nañu espoir ak le nouveau maire parce que daw bi nga xamni nekul maire te ma jëm ko expliquer yi yëpp dafa ni ma puisque da ngeen ma tuddé té jamp na nga tok amulo ben sponsor amulo dara lo defé fanal et c'est un produit d'appel touristique c'est un produit culturel bayil ma mettre le les bouchées d'eau profiter de sa casquette pour mën gawantou woutal ma la sono du son et lumière mou dal di ñew fi dal di leen jël en charge parce que c'est hyper cher c'est plus de 400 000 francs dal di essayer dal di ma woutal mom si bopam mu woutal ma ay nitam ay sponsoram ni leen gaw leen jappalé ko ci fanal bi inadvertance lañu défé le fanal de l'année dernière té presque yop mom moñu jappalé pour le financement donc Rennes en tant que maire je lui ai dit on a fait des pourparlers on est là en attente il nous a mis en rapport avec des gens qui ont accepté de parrainer notre parrain c'est Cher Kanté le DG du port qui est très disponible et qui est en train de nous aider on a l'administrateur du grand théâtre qui est monsieur Kessi Bousso qui est, depuis l'année dernière nous a donné son accord pour être parrain cette année mais on attend la subvention du maire on est en attente la subvention du ministre de la culture on est en attente celui du ministère du tourisme on est en attente et c'est les trois entités qui pour moi sont les entités qui doivent soutenir le fanal qui doivent le porter donc ils sont dans des disponibilités ils nous reçoivent ils nous donnent même leur numéro direct mais vous savez leur calendrier est tellement pris en ce moment par la politique par d'autres aspects gamou etc et mais je sais qu'à la dernière minute ça va tomber bima xamé né damay waji retraité RTS en 2004 ci lani man culture la xam ak radio kon légui ak théâtre
kon légui man puisque dama nekké xalé batay dama da nek ay manager groupe ay tourneur tak sama simisi yow ko parce que j'ai une famille ñoo xamni ñep ay musiciens la c'est la famille Valcroix les Edouard Albert Benjamin Marc ñom ñep ils ont fait toute leur jeunesse dans la musique donc man ma ci opté won pour théâtre donc ma xam le baroudage qu'il y a à diriger des groupes comme ça après madame dini bon légui man damay ubi une structure bo xamni da fay bu tuddu Dialoré production mo ubi ko en 99 c'était pour préparer le passage à l'an 2000 parce que dañ won la région bu ne wala deuk bu ne genné dara lo xamni meun nako proposer ci l'an 2000 ma proposer le fanal le président Diouf avec son ministre de la culture de l'époque accepté ko enterrer ko ñu tuddé ko jabaram ñu def la première sortie du fanal donc buñ défé la première sortie du fanal nak mu nek lu riche lo xamni ñom seen bop ñu ma ki dal da nga ko ci bayyi comme ça ñu def ko un produit d'appel touristique dana le tourisme culturel bi ñoo wax dañu commencer am les premiers pas à Saint-Louis bo sétlo ñun ñi ñu fi invité bañu paré ci ñun dañu dem tout de suite monter sen festival parce que ñun ñoo dor en 99 fess pop lu godal ci tegu après il y a eu Baba Mal après il y a eu dañu défé le fanal de 4 communes avec la Rufisque et Goré aussitôt monsieur Camara ni ñu démarré man né buñu démé ñun tam dañu def dara man né bu Sénégal yépp jappo ci culture bi ba woné suñu bop ba xamné amna lu mu mëne duggal ci biir suñu réew yi défé na né dañu gën jël au sérieux parce qu'on a toujours pris les gens de la culture je m'excuse comme des gens rigolos comme des gens qui ne représentent rien donc voilà Dialoré production jël volet bobu mais ni ma lay waxé avec toutes les difficultés en 16 ans pour asseoir le fanal ci rêve bi ma am ak ni ma ko bëggé est-ce que warna mëne les nuits vénitiennes ndar yi nga xamni depuis 1948 bama juddo ken dekkaluko te ci ça se passe sur le fleuve muy rêve buma am ci sama calendrier bima bindon pour ci Dialoré bindé les rencontres de musique et danse ethnique d'Afrique et de la diaspora qui sont au droit d'auteur te ba légui ken mënu ko def bind sama ben gandim complexe culturel buy am ay atelier ñaan 10 hectares pour que bu yag depuis 99 fuma ko joxe ñu duggal ko dans les tiroirs yobuna ko promotion féminine yobuna ko compétition moyenne entreprise parce que Dialoré est une petite entreprise culturelle yoyep ci ay tiroir la dugg légui nak nañ ñu mettre en rapport avec la coopération décentralisée ni la dañ fi am ay promoteurs yu am tel projet bu boba ça sera bénéfique pour la ville parce que les gens pourront vendre leurs produits dans cet espace là les gens pourront créer des ateliers avoir des échanges entre les gens qui le veulent bien de l'extérieur et eux dougalante ay échange amante ay xam xam ak ay expertise di organiser ay colloques ay ki def une grosse salle polyvalente où on peut tout faire ñom sax dañ ko mënd utiliser pour sen di ñu ñew comme ça se passe ailleurs mais vraiment quand je vois cet espace là c'est pas quelque chose qu'on fait avec de la gnognotte vraiment avec des sous mais qu'on nous mette avec les gens on veut travailler on dit que la culture du mon président Abdou Diouf dama dimbalé ma am donc cette salle là xam nga lan la mo dal dima même Marie Madel vous avez le quai des arts marie comme vision bima am dou ci 4 murs un îlot comme le quai des arts c'est sur des hectares et tout ça mouré wa ñaanal ma ñu falat bu ba falaté ñu sét dañ la jappalé fof malheureusement ken falat ko makoy remercier ci disponibilité bobu ak xalat bobu mu xamone ni xeyna vision bima ci amone ki la mais jusqu'à présent je ne perds pas espoir parce que gisna avec le président Wad il a mis poser des actes sur des espaces comme qu'on utilise maintenant le grand théâtre le monument de la Renaissance mais il fallait la place du souvenir et les artistes sont en train d'investir tous ces espaces là donc je dis bravo ça nous ni man def na chevalier des arts et des lettres pareil France def mon officier des arts et des lettres là le président Macky Gueye grand dignitaire de l'ordre du mérite donc nous dit apercevoir li ñoo liggéey ñu koy apprécier mais légui ñun liñu déssé dem ba nek à cet âge là on a fait tout le transfert de compétences aux jeunes avec qui nous travaillons mais xalé yoyu bu féké ñom tam 16 ans lañu def comme man pour bu mën asseoir li nga xamni man tégal na léko pour mu nek pour la postérité du sorti ndax il faut que mo mën len accompagner 4 ans encore pour qu'il soit mieux outillé donc ñu ngi lancer un appel pour ñu japp ci parce que au moment où je vous parle vraiment le parrain Cheikh Kanté et Kessi Bisso ont donné leur contribution mais par rapport à ce qu'on a envie de rendre sur Saint-Louis et ce qu'on avait l'habitude de rendre on est en deçà de nos fonds et on veut que les jeunes artistes se sentent concernés et qu'ils puissent être rémunérés à leur juste valeur. Donc Dialoré, c'est pas seulement ce volet-là, il y a un volet touristique. Là, j'ai un projet touristique qui s'appelle Village Planétaire. Donc, on parle de réceptif. Ce truc-là comprendra
réceptifs, on ne peut pas imaginer. Quand je dis planétaire, ça veut dire que tout le monde se retrouvera là-dedans. Quand vous donnez les détails, on vous vole votre projet. Je l'ai mis au droit d'auteur depuis 1999. Et maintenant, il y a aussi ce volet socio-éducatif de Dialoré qu'on n'a pas encore touché parce qu'on veut organiser des colonies de vacances, mais vraiment avec d'autres visions, une autre vision artistique où les enfants vont apprendre et se former eux-mêmes à devenir, malgré les grands hommes dont on a besoin, les grands intellectuels pour faire pour amener le Sénégal dans l'émergence, mais aussi c'est dans les pays développés en ce moment-là, mais aussi qu'il soit, parce que quand on a une âme artistique, tu es généreux, tu donnes ce qu'il y a au fond de toi-même, tu es lolo, il faut qu'on le mette chez nos enfants, dans le circuit éducatif, ou même dans l'école, avec morale, instruction civique, c'est là où on va forger le nouveau type de Sénégalais dont on parle, et nous, on a notre rôle à jouer là-dedans en tant qu'artiste. Merci beaucoup. Prenez-vous en main, elle a fait 3 ou 4 activités, mais je autour d'une grande parade dans la ville qui va se passer cet après-midi. Vous voyez, donc ce n'est plus du professionnel, c'est du tapiengel. Et je n'aime pas ça. Donc, d'une oreille attentive. J'espère qu'à la dernière minute, il y aura les originaires de Saint-Louis, voilà ceux qui aiment Saint-Louis, les amis de Saint-Louis qui vont peut-être réagir, et même les autorités. Donc, toutes les communautés artistiques sont dans le fanal, mais les gens disent que c'est une disponibilité. Ils disent aussi la presse, parce que chaque fois que j'appelle, ils sont là. Je n'ai même pas eu besoin d'appeler, vous m'avez appelé pour me donner ce plateau-là en or, pour me permettre de dire tout ce que j'ai au fond de moi et qui ne peut pas être dit comme ça. Rek ci ala lu jambu wala yefu jambu ma ngi remercier Ndar Info particulièrement. Légui nak je souhaite mes meilleurs vœux à tous ceux qui sont dans le web et qui vous suivent, à tous ceux qui suivent Ndar Info et qui ont vraiment une bonne impression de ce que vous faites. Ma len di encourager di ñaan ëllë ngeen am seen ngam bim télévision wu bop vraiment ndax mérité ngeen ko ci seen liggéey. Di ñaan aussi autorité yi ñu prêter une oreille attentive à tout ce que font les artistes. Je ne plaide pas pour ma paroisse. Les artistes ont besoin d'être soutenus dans tous les domaines. Et que nous les déglouons, parce que vous avez une réunion de l'Union Européenne, vous avez une réunion portable, vous avez une réunion de SMS, de la tonto, vous avez une réunion de la boîte vocale est pleine. Lors de Féwardagne, le président Macky Sall, de Féwardagne, mais nous ouvrir cette bop à tout le monde parce que mon rôle le bug. Donc, mais souvent, nous l'avons fait manquer, mais nous oublions sen bop, oublions sen bureau. Je n'ai pas eu le sens interdit, mais nous avons dit que nous avons de la chance, nous avons dit que nous oublions. Vraiment, je vous remercie. Je suis venu nous que nous l'auteur de ta visite, fait que je n'ai pas eu rendez-vous. Que notoriété est là. Mais nous avons dit que nous avons eu l'oreille. Nous avons fait ce que nous avons fait. Nous avons dit que nous avons attention, que nous avons dit parce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons Moi, je ne fais pas de la politique. Mais quand on dit qu'on n'en fait pas, la politique, c'est l'affaire de la cité. Et puisqu'on vit dans cette cité et qu'on est dehors et qu'on se réveille, chacun est une région de Mounek. Nous savons que nous avons un plan Sénégal émergent pour nous sortir du Sénégal. Et pour le Sénégal, nous avons une infrastructure, une entreprise, nous avons commencé à émerger. Vous émergez au Sénégal, nous avons toutes les denrées, tous les trucs. Mais vous faites que vous avez un fallo, ou un fallo, mom la wax itam président bu meunti fallu dana fexé ba nga xamné dal ñu remarquer sama liguey ba dem ñom jëk avec Abdoulaye Wade on m'a invité au palais de la république pour le fanal té bobu fanal dafa nek wayu dafa neex ba ñu invité mom la première fois au grand théâtre par l'intermédiaire de madame Awa Ndiaye. Donc nga xamné kon vraiment bonne defuma politique bu politique yi gisé ni yaangi liguey dañ la war jappalé pour yow itam nga mën gën mën liguey té artiste bo len jappalé ñu taxaw sa wex
Merci beaucoup tata ndar info mi ngi lay remercier bu baax sa disponibilité wi suñu donc mbokk yi xarit yi li lañu amonté di len ko présenter di len jox dig dajé dans 15 jours inshallah ak ndar info sen benen émission Dekanda.